Bonjour, je m'appelle Nicolas. Donc, je suis en quatrième année à l'École nationale d'ingénieurs de Metz, dans le nord de la France. Je suis ici à Medellin, à l'EAFIT, donc pour une année, pour obtenir le double diplôme. Donc le premier semestre, je fais un semestre de cours et le deuxième semestre, je vais faire un semestre de stage. Donc j'ai choisi la Colombie parce qu'en deuxième année, j'ai déjà fait mon stage à l'étranger et ça m'a paru court parce que c'était un stage de 4 mois et demi. Et donc en quatrième année, je voulais partir une année entière dans un pays étranger et la Colombie parce que pour améliorer mon espagnol et aussi parce que j'avais envie d'obtenir le double diplôme avec l'EAFIT. Bonjour, je m'appelle Paul, je viens de France aussi, de l'ENIM, l'École nationale d'ingénieurs à Metz. Donc j'ai choisi de faire passer une année en Colombie à l'EAFIT parce qu'il y a une possibilité d'obtenir un double diplôme avec mon école. L'EAFIT, c'est une des meilleures écoles d'ingénieurs et de Colombie, donc c'est une bonne possibilité d'obtenir d'une un double diplôme et une expérience à l'étranger. Donc l'université ici à l'EAFIT, c'est 10 000 étudiants, donc ça paraît super grand parce que à l'ENIM, c'est juste une école d'ingénieurs, on étudie que la mécanique, alors qu'ici à l'EAFIT, il y a toutes les carrières, donc on se retrouve avec ceux qui étudient administration, commerce international, communication, droit, et puis le bloc ingénieur, il est super grand aussi. Il y a beaucoup de machines, de moyens pour bien travailler. Et ici, on travaille sur beaucoup de projets et beaucoup de projets se réalisent dans les murs de l'EAFIT. L'université et les professeurs sont très ouverts par rapport en France. Ils sont beaucoup plus disponibles, on peut aller les voir n'importe quoi, que ce soit un doute, une question, un problème avec la langue. Les étudiants aussi sont super ouverts, ils nous aident, ils sont toujours disponibles pour nous aider ou pour dans les démarches à suivre ou dans les devoirs à rendre, les projets. Il y a aussi beaucoup plus de projets qu'en France, qui sont beaucoup plus concrétisés, car avec beaucoup plus d'ateliers, beaucoup plus de moyens aussi, puisque l'EAFIT, c'est vrai que c'est une université de Colombie qui a beaucoup de moyens, donc les projets sont beaucoup plus aboutis. Medellin, c'est une ville super. C'est la deuxième plus grande ville de Colombie. C'est la plus développée de Colombie, très industrialisée. Contrairement à l'idée qu'on peut se faire de la Colombie, en France, c'est très développé. Les niveaux de vie sont très différents. Il y a une grosse différence dans les niveaux de vie selon les quartiers, mais Medellin, c'est une super ville. Et plein de possibilités entre les voyages, les sorties, les études aussi. Non, c'est une super ville que je conseille à tout le monde qui voudrait venir étudier ici. Ouais. Bien sûr, je recommande à tous ceux qui veulent voyager et même tous ceux qui veulent faire un semestre à l'étranger, je recommande l'EAFIT et la Colombie. Ah si, je conseille vraiment de venir faire un échange, que ce soit un semestre ou une année en Colombie. C'est une super expérience humaine. On apprend beaucoup, l'université, les cours sont très différents, c'est vraiment une autre vision de l'apprentissage qu'en France. Et donc je recommande vraiment à tous les étudiants de venir faire un semestre pédagogique ici.